Salut YouTube, on va essayer de faire une petite partie de Slay the Spire avec la silencieuse. J'espère que ça va vas-y, parce que hier on s'est fait tartiner le cul deux fois avec l'Ironclad et la silencieuse reste mon personnage préféré. Alors elle a 10 PV de moins hein, et elle commence avec l'anneau du serpent qui permet de piocher deux cartes supplémentaires au début de chaque combat. Donc c'est un peu plus dur à prendre en main, mais normalement, ça le fait. On va voir tout de suite si on peut arnaquer. Alors ça, quand on a éliminé les 3 prochains ennemis, on commence avec 1 PV. Si on peut arnaquer un boss d'élite à 1 PV, c'est cool. Sinon, bah tant pis. Hein. Erf. Bon, on va choisir les 3 prochains combats. Commence avec 1 PV. Les ennemis commencent avec 1 PV. Ok, bon, pour l'instant, ils ont qu'un seul PV grâce à mon truc. Ah, chute fruit, très bien. Acrobatie, piocher 3 cartes, défausser une carte, infliger 7 de dégâts, plaquer 1 de faiblesse, appliquer 6 de dégâts, plaquer 3 de poison. Pour l'instant, on va jouer faiblesse. Parce qu'on sait pas trop si on joue poison ou pas. On tombe sur un ennemi qui a un PV. C'est réglé. Au prochain tour, gagner 2 d'énergie. Infliger 6 dégâts par carte attaque que jouez ce tour. Infliger 12 dégâts quand vous prenez des dégâts. Le coût de cette carte augmente de 1. Ça, c'est pas trop mal, mais au bout d'un moment, ça devient ridicule et c'est injouable. Je vais prendre coup de grâce. Là, ça, on va le voir. Hop, 5 PV max en plus. Hop. On s'en connaît. Un joueur, quand cette carte est défaussée, piocher une carte. Ouais, c'est pas terrible. On va prendre le lancer de dague, infliger 9 de dégâts, piocher une carte, défausser une carte. Voilà, bon, là, ça redevient. Ça redevient les embrouilles normales, donc 9 de dégâts, 4 je pourrais tuer lui, mais il me resterait tout ça. Ça va être compliqué, on va se prendre des dégâts quoi qu'il arrive. Survivant, on gagne 6 d'armure, 8 d'armure, mais on dépose une carte. On va perdre des PV. Sur ce combat là, on va accepter de perdre des PV. Bon, eux, à chaque fois qu'on les attaque, ils gagnent 1 de force. Donc, le but c'est de les tuer assez vite, mine de rien. Ça va. Bon, au bout d'un moment, ça devient ridicule. Ok, allez, va-t'en. Infliger 3 dégâts 5 fois, c'est pas ouf. Gagner 5 d'armure, l'armure n'est pas des retirés au début du prochain tour, ça c'est sympa. On va prendre flou. On va prendre flou, ça peut être sympa. Prends les dégâts encore une fois. Tac tac. Parfait. Il sépare en deux. Neutralisation. Parfait. Ça on aura un petit peu d'armure le tour après. On aura 4 d'armure.
points de dégâts, hein. On accepte. On accepte. Ok, le combat commence à s'éterniser, ça devient chiant. Allez, suivant. Mais il reste plus que le petit. Merde. 4 et 4, 8. Et 8, 16, j'ai pas assez. J'ai pas assez malheureusement. Je vais me reprendre 2 de dégâts. Un peu compliqué là. Hein. Ça va. Ok. Plus de dax, c'est sympa. De 4 de dégâts à tous les ennemis deux fois. Distraction, je la joue, j'ai une carte compétence qui coûte 0. Et étranglement, c'est vraiment sympa. Étranglement, j'inflige 12 dégâts chaque fois que je joue une carte tour. Infliger 3 dégâts à la cible en plus. Les 3 cartes sont pas mal, faut dire ce qu'il y a. Ça, c'est bien pour certains ennemis. Je vais prendre quand même étranglement. Petite carte un peu plus forte. Je me demande si on va pas la... c'est pas elle qu'on va améliorer d'ailleurs. Non, c'est pas terrible. 4 de dégâts de faiblesse. 8 de dégâts par carte jouée, ça peut être sympa aussi. On va améliorer. On va améliorer une neutralisation. En fait, c'est juste. C'est gratuit et c'est 2 de faiblesse, donc ça peut être sympa. Hop, allez, premier boss d'élite. Super, génial. On tombe sur une. Bon, allez, je me prends 9 de dégâts. C'est voulu. J'espère qu'il y aura du bon artefact derrière, hein, parce que. Ça va être compliqué sinon. Bon, lui déjà il est mort. On reprend 9 de dégâts. Allez, ça c'est gratuit. On prend plus que 1 de dégâts, on lui a fait 20 dégâts, donc c'est pas mal. Ok, là ça commence les embrouilles avec les hébétements. Faut chier. Hein. Ouais, voilà, hébétements. Heureusement, on affaiblit. Ça devient chiant là. Une frappe, ensuite survivant. Et ensuite flou. Comme ça j'aurai 4 de. D'armure le tour d'après. Ah, je me tâte. Ah, comme ça, je lui retire son machin. Ouais. Bon, malheureusement. Excellent! Paf! Par contre, j'ai plus que 35 points de vie. Or, et chaque. C'est de la merde. Chaque fin de tour, si j'ai pas d'armure, j'ai une 6 d'armure. Bon, super. Ça, c'est de l'armure gratuite, mais bon, avec. Frappe sur moi, c'est bien. Infligez 10 de dégâts. Si vous avez défaussé une carte ce tour, gagnez 2 d'énergie. Donc, elle devient gratuite en fait. Si, enfin, gratuite. Faut avoir les 2 d'énergie de base. Salut, Visceral! Ça va? Hurlement perçant, c'est sympa aussi. Je vais prendre frappe sournoise parce que c'est cool. Ok, étranglement. Into. Neutralisation plus. Into. On va se protéger. Pas même. Mais non, je suis con, je dois pas me protéger, j'ai mon oreille chalk. Super. Alors, survivant. Suivi de frappe sournoise. Hop, une attaque simple et un flou. Artistique. Lancer de dague. Kuba, allez, Foucan. Potion de pouvoir, excellent. Frappe sournoise, une deuxième, hein, ça devient ridicule. Plan d'évasion, c'est de la. Alors, gagner 4 d'armure, prochain tour, gagner 4 d'armure. Ça peut être sympa aussi. Je vais prendre la. Plan d'évasion, c'est de la pioche gratuite. Et si en plus j'ai une compétence, gagner 3 d'armure. Comme j'ai quand même 2-3 cartes compétences dans le deck. Allez! Wesh. C'est pas ouf. Commence avec neutralisation plus. Direct, on lui fait. Lui lance la faiblesse, quoi. Je le vois comme ça. Hein. C'est quoi ça?
Les effets des cartes coûtant X sont augmentés de 2. J'ai pas de carte coûtant X. Sauf si je prends celle-là. Tu peux deux potions en plus. Bon, c'est nul. Visiblement, hein, c'est nul. Alors, on s'en fout du magasin, on en aura un autre. Non, on n'en aura pas d'autre. On verra l'étage, enfin, la poule d'après, quoi. Étranglement. Neutralisation. Coup de grâce. Excellent. Bon, le Richard, c'est bien contrôlé, parce qu'il va faire que des attaques. Voilà, hop, j'ai une 6 de défense contre ces 4 d'attaque, c'est bien, c'est cool, c'est propre. Ah là, par contre, ça pue du boule. Là. Je peux prendre 15 de dégâts direct. Allez, va-t'en. Éventail décoratif, chaque fois que vous jouez 3 attaques en un tour, gagnez 4 d'armure. Ça peut être sympa, et ça combote pas du tout avec mon Richard, par contre. Hein. Autant dire que ça va être chiant. Le couteau en verre, il est nul, cette carte, elle est vraiment nulle. Infligé 8 dégâts deux fois, couteau en verre, inflige 2 dégâts de moins pour ce combat. C'est-à-dire que c'est utile une fois, et après... 3 de poison, et une verre 3 fois... J'ai même pas envie. On va prendre Kuba, mais... Devant où se trouve un hôtel élaboré consacré à un esprit oublié. Priez, retenez une carte de votre deck. Non... Vous ignorez l'hôtel. Ça c'est cool. Excellent. J'en ai tué deux, je défends tout. Parfait. Parfait. On remet un affaibli, évidemment. Hop, on se met 5 d'armure pour le tour de prochain. Excellent. Voilà. Distraction, c'est bien. Planification, c'est bien. Enfin, c'est bien. Coup de genou, je préfère. Hein. C'est simple et efficace. Coup de genou dans les couilles, là. Ok. Super. Bon, on va se reposer. Hein. Ah, esquive. Il est 10 d'armure, il inflige 10 de dégâts. Ça, c'est bien. Ça, c'est du bon. À propos. 34 PV. Bon, va falloir y aller, hein, les gars. Ouais, petit pouvoir gratuit. Ça, hein. Hop, chaque tour, je lui lance 2 de poison. J'aurais dû faire ça avant, évidemment. Hein. Je suis un canard. Parfait. Je défends tout. Bien, c'est bien, ça se passe bien. On évasion, hop, petit peu de défense. On attaque, on attaque, on attaque. Allez, on défend tout, c'est bien, ça se passe bien. Là, qu'est-ce que je vais faire? Lancer de dague, on va retirer la défense.
On va faire ça, et on va faire ça. Et on gagne nos 4 de défense, et ça suffit. Étranglement, tout neutralisation, et coup bas. Gagne 4 de défense, ça permet de résister à la brûlure. Parfait. Ça se passe bien, là. Le mob il sait pas où est-ce qu'il en est. Hop, frappe sournoise, esquive, parfait. On défend, c'est le plus important. On prend un peu de dégâts là, mais bon. 6. Bon, c'est bon, il est mort. Parfait! Fantôme dans Ogal gagne un intangible, c'est sympa pour un moment où galère. Prochain tour, piocher X carte et gagner X énergie. Alors ça aurait été bien si j'aurais pris l'artefact, mais je l'ai pas pris, je l'ai pas acheté. Dans ce tour, prochaine carte compétence sera jouée 2 fois. Pff. Clonage. Gagner 1 d'énergie au début de chaque tour, on ne pouvait pas jouer plus de 6 cartes par tour. Alors là, d'habitude la silencieuse je joue 50 milliards de cartes, mais là vu comment le deck il est fait, ça sera pas le cas. Donc on peut se diriger vers un collier là, machin. Gagner 1 d'énergie au début de chaque tour lorsque vous choisissez une carte comme réponse de 2 choix en moins. Ouais, et puis la plume éternelle, chaque lot de 5 cartes, ça me récupère 3 PV au camp, au feu de camp. On va prendre le tout pour le coup, comme ça on a 4 d'énergie, et ça c'est cool. Ok, alors déjà c'est qui le boss? Ah c'est cet enfoiré. Ok. Ça va, il est gérable. Alors j'ai de l'élite. Alors, mob, pif pif, mob, pif, élite. Suivi de... Alors suivant si je suis en galère ou pas, ça sera l'un ou l'autre. Ce sera feu de camp et mob dans un ordre. Le coffre, l'élite. Le mob. Un pif, un magasin, histoire de dépenser tout le pognon. Parce que là, je commence à en avoir beaucoup. Ça commence à se voir. Et un élite avant de se reposer. Et puis on est parti en avant-gagant. Allez! Ok. Je prends les dégâts tout de suite. Hein. Mais bon. C'est voulu. Parfait. Voilà. Bon, il me fait aucun dégât. J'aurais dû faire une défense avant. Là, je prends un dégât. C'est ça. Bon. On accepte. Voilà. Potion incendiaire. Coup de poignard, c'est excellent. Infliger 11 de dégâts, ça coûte 0. Par contre, c'est inné. Alors, inné, c'est dès le début, c'est dans la main du début. Et par contre, c'est épuisement. Mais dès le début, on entame le commandant. Pam, 11 de dégâts. Oh, un coffre. Du Viagra. Alors, commencez chaque combat avec un de force. Excellent. Ah, je le connais pas beaucoup, celui-là. Nous nous retrouvons à nouveau. Un bonhomme gaillard échevelé vous approche joyeusement. Vous connaissez pas cet homme. C'est moi, Ranweed. Rends-moi la weed. Comment allez-vous aujourd'hui? La routine. Un gars comme moi ne peut pas s'en sortir seul, vous savez. Vous le regardez avec méfiance et considérez ses propositions. Donnez une potion. Perdez la potion de célérité, obtenez une relique. Ah bah ça tous les jours, oui. Donnez de l'or, perdez 110 d'or, obtenez une relique. Donnez une carte, perdez coup de genou, obtenez une relique. Ou attaquer. Eh ben, je te donne une potion de célérité. Exquis, je me sentais desséché, gloup gloup gloup. Ah c'est une potion de célérité. Oh, c'est pas un whisky ou un truc dans le genre. Il boit la potion une fois et laisse échapper un renvoi satisfait.
Ah bah voilà, il est propre en plus. Il fouille dans ses poches. Tenez, regardez ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Prenez-le, prenez-le. Ça c'est quoi? Tous les trois mélanges de pioche, j'ai gagné de l'énergie. Ouais, c'est pas ouf, mais bon. On prend, c'est un artefact, hein, on prend. Alors, déjà, pan. 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 Ça fait mal, hein. Et bah parfait. Je défends tout. Par contre, la défense là, fait pas trop plaise là. Ah, tu t'en sors, hein, Miss. Ouais, dégage. Easy. Easy peasy. Piocher deux cartes, défausser deux cartes. Ouais. Tous les ennemis perdent 8 de force pendant un tour. Ça peut être sympa. Je vais prendre le nom perso. Hop, un petit pif. Ah ouais, super. Hop. Étranglement. Neutralisation. Machin. Je défends quasiment tout. Je prends un de dégâts. Pouvoir. Dans le mont persan. Et je vais faire un petit clonage. Tour d'après, je sois bien. Excellent. J'ai 6 d'énergie. Paf, paf, paf. Paf, paf. Paf, 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 paf. Allez, dégage. Piocher. Infliger 12 dégâts, piocher une carte, on va prendre ça. C'est un deck un peu. Il n'y a ni surin ni poison, c'est un deck vraiment bourrinisme. Assez curieusement. Bon. Alors on va prendre des dégâts. Prendre des dégâts, mais ça c'est pas possible. On va prendre quand même des dégâts là, mais moins. Allez, pour le tour d'après, on se met bien. Parfait. Ça va, tu te sens pas seul, là, mec? Allez, casse-toi. Parfait. Alors ça servira à rien. Pff. Si vous avez tous vos PV gagnés un d'énergie chaque tour, j'aurai jamais tous mes PV. Bon. Allez, on prend le coup de genou. Le coup de genou, c'est cool. Bon, on peut enchaîner sur le mob tout de suite. Alors lui, je l'aime pas du tout. On va jouer ça, ça lui fait les 3 de dégâts. Même si ça sert à rien. On lui a retiré la moitié de ses PV. Alors, frappe, c'est gratuit. Flou. Ah mince. J'aurais essayé. J'aurais pas dû jouer. Ça va, ça se débrouille bien. Ouais, ça c'est gratuit. Vache! Ah, heureusement qu'il est là de temps en temps, lui. Ça me sert un petit peu. Tiens, regarde. Hop, gratuit. Hop, gratuit. J'aurais dû balancer l'étranglement, chute. C'est pas grave, il meurt. Il meurt quand même, donc c'est pas grave, mais mise à mort. Infliger 13 dégâts à tous les ennemis. Ça c'est bien, c'est une grosse attaque. C'est build de grosse attaque là. Hein. Améliorer ça, clonage plus. Quoi qu'il arrive, ça servira. Alors, on a quoi? Matrioc, les deux prochains coffres non boss que vous ouvrez contiennent deux reliques. Ça, c'est sympa.
c'est vraiment un artefact qui est sympa. Et j'espère que je vais avoir des coffres. Quoique là, j'en aurai un le tour d'après. Et là, j'espère que j'en aurai un entre temps. Une petite mise à mort. Allez. Ah, j'ai joué 6 cartes. D'accord, super. Ça, il commence à me montrer des limites, le... Mon cache-coup. Ouais, par contre, je lui mets la max quand même à l'autre boss. Hein. Dire qu'hier, il me défonçait... Voilà, dégage. Il va rappeler des alliés. Là, il me faudrait des attaques. Il faudrait des attaques de groupe. Salut Bilou, ça va? Bah c'est beau un monde qui joue, bah ouais, j'essaie de tant bien que mal là sur Slay the Spire, mais ah, il est bientôt mort là, 16 PV. Ça va le faire, ça va le faire. Petit coup de genou dans les couilles pour l'achever, hop. Allez, cassez-vous. Ouais, ça c'est les sbires, hein. Si on les tue, si on tue le chef, ils s'en vont. Au début de chaque tour, infliger 3 dégâts à tous les ennemis, ça peut être sympa, c'est une attaque de zone. Étranglement plus, allez, toujours plus d'étranglement. Et c'est sans penser à un mal. Hein. Plan d'évasion. On va voir ce qu'on peut avoir. Toi, on va te tuer. Tout simplement. Hop, toi, on va faire en sorte que. Voilà. Tac, tac. Mais malheureusement, on le tue pas. Et c'est le merdier. Ah, mise à mort. Bah voilà, parfait. Bas, frappe et coup de grâce. Bien, mid life. Ça veut dire moitié de vue, mid life. Pour ceux qui veulent ça, ceux qui savent pas. Excellent. Potion d'énergie, gagner de l'énergie, ça c'est cool. Chose trap, tiens. Chaque fois que quelqu'un vous attaque, recevez 5 de dégâts. Une petite armure d'épines, c'est pas mal. Vous rencontrez une longue ligne de squelettes en compagnie d'entrer dans une modeste cathédrale. Naturellement, vous rejoignez les rangs et êtes rapidement encerclé des adeptes. Ils vous ignorent et chantent joyeusement en agitant leurs armes. Meurtre, 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 cacao, cacao. Meurtre, 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 cacao, cacao. Allez, c'est des débiles apparemment. Vous apercevez une boîte de dons. Vous voulez la boîte gagner 99 d'or. Juste avoir un marchand, ça va être pas mal. Hein. Restez dans le rang, obtenez une dague rituelle, perdez 6 PV. Alors, la dague rituelle, infligez 15 dégâts. Si cette carte tue un ennemi, ses dégâts augmentent de 3. Ah ouais, c'est une carte qui devient de plus en plus forte à force de la jouer, quoi. Là, on est en fin du deuxième... Enfin, bon, on est au 29e étage. On est quasiment à la fin du jeu. Enfin, on est aux deux tiers du jeu. On va prendre le pognon. Allez. Ils ont même pas remarqué. Bah, ils étaient trop occupés à chanter. Hein. Moi, je comprends. Hein. Moi, quand je chante, je suis occupé. Hein. Alors ça serait ridicule. Ça c'est, je le prends tout de suite. C'est pour soigner. Ça c'est une armure d'épines. Bon, on a dit que c'était cool, donc on le prend. Ça c'est pour encore piocher plus de cartes au début. C'est encore plus ridicule. On va le prendre. Allez. Tout à l'heure on n'a pas pris d'artefact et on a regretté. Voilà, toujours plus de cartes là. Hein. Vous voyez, là on comprend plus ce qui se passe. Là. Alors on commence déjà une petite mise à mort. Un hurlement perçant histoire de les calmer tous. Là, ils ont attaque à 0, attaque à 0. Lui attaque à 5, mais on va essayer de le tuer. Voilà. C'est dommage que. De toute façon, j'ai plus d'énergie, mais. De toute façon, ça me bloque à 6. Ok, plan d'évasion. J'aurais dû faire étranglement avant, bravo. C'est pas grave. Si c'est grave. Ça m'empêche de. Ouais.
Et puis c'est pas grave. Bah oui, je leur fais quand même le cul. Hein. Donc, hop, tac. Allez, dégage. Bot et les... Ah, vous pouvez ignorer les lignes au moment de choisir les chasses, les tâches trois fois. Alors ça, pour les tâches d'après, ça sera assez génial. Pousse une attaque, on prend. Et, oh, un petit coup de poignard, histoire de bien commencer une partie. Hein. Le repos ou le forgeron? On va se reposer quand même, on va pas être foufou. On va se donner toutes les chances de son côté. Alors, étranglement, ça lui fait virer un machin. Neutralisation, ça lui revire un autre. Les deux coups de poignard. Un petit lancer de dague. Et un coup bas, hop, je lui ai fait tomber déjà tous ces ces artefacts. Ça, c'est cool. Genou. Frappe sur l'oise. Je peux jouer deux attaques encore. Allez, on va s'arrêter là. Ouais, on va prendre des dégâts, mais bon. Allez, on garde notre 18 d'armure pour le tour d'après. Allez, chausse trap, plan d'évasion, bandage, on va se soigner, hurlement. On attaque un peu histoire de dire et on se défend. Et j'ai 26 d'armure, ça sert à rien, mais c'est pas grave. Bon là, ouais, il attaque à 51. Patron 2. Hop. Flou. Et machin. Ça va, 38 pour 20. On se prend 18 de dégâts. On s'est bien débrouillé. Là, ça va enchaîner. Parfait. Plus que 100 de PV, ça le fait. J'aurais dû attaquer deux fois avec le... Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est soit doux et c'est bon normalement. Excellent. Une potion d'énergie encore plus d'énergie. Hein, ça... Envenimement, bullet time. On va prendre envenimement parce que bullet time c'est bien. Ça commode pas du tout avec ça là que j'ai pris malheureusement. Donc je vais prendre envenimement. Gagner de l'énergie au début de chaque tour, vous ne pouvez plus obtenir de potions. Gagner au début de chaque tour, vous ne pouvez plus améliorer au site de repos. Non, puis mon corps encore. Parce que vous ramassez et retirez deux cartes de votre deck. Allez, on plus de potions. On a déjà trois potions qui sont très bien. Ça ira. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai un d'énergie avec ça, un d'énergie avec ça, un d'énergie avec ça. Je commence avec 6 d'énergie. Chaque tour. Pour l'instant. Ok. Combat, combat, piche, combat, piche, élite, marchand, combat, le coffre, élite, repos, mob, combat quoi, marchand, piche, repos. Allez, on est parti. 1, 2, 3, c'est parti, je vous apporte à manger. Envenimement. Alors,
Parfait. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Petit truc de trappe. Machin. Hop. Flou. On va s'arrêter là. On va laisser jouer à son propre jeu. Nous aussi, on a un truc d'épines, donc... Ah, j'ai 8 de défense, là. Et je fais ça, tu meurs. Allez, attends. Parfait. Je peux plus avoir de potions. Fiche. Allez, toujours plus d'attaques. Alors, étranglement. Ça. Et ça. Voilà. C'est bien. Ça va? Tu t'en sors, mec? Allez, dégage. Ok. Bon, toujours plus d'attaque, hein. Attends, j'ai quoi après? Tac, 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 tac. Je peux gagner plein de polions, mais j'ai une malédiction. Non, je vais juste... Devant vous se trouve un hôtel élaboré consacré à un esprit antique. Je prie. Lorsque vous touchez l'hôtel, il se met à pleuvoir de l'or couvrant de richesses. Excellent. 580 d'or. Bon. Tac, c'est gratuit. Oublie pas que t'es les boîtes. Ah bah merci, ouais c'est vrai. Putain, j'avais complètement oublié. Ah bah on parle et voilà, ainsi s'il y arrive. Hein. Ah oui, c'est vrai que j'ai les bottes. Yerf. Ouais, faut que je recalcule mon truc, quoi, du coup. Ouais, j'ai mes bottes. Elle avait des bottes. Hop. Aïe. Ah, l'armure de d'épine qui nous sauve. Pff, enfin, je l'ai marre. Allez, on prend ça. Ah oui, du coup, là je fais ça. Ah oui, alors là c'est ouf. Effectivement. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Alors attends. Là j'utilise. Une fois. Deux fois. Tac, trois fois. Excellent. On va faire comme ça. Merci, Pidou. Tranquillou bilou. Bon. 53 PV. Parfois faut que je fasse le compte non plus avec à trop prendre des fights aussi. Hein. Bon, ça vaut le bar. Jeu de jambes. Petit jeu de jambes. Ok. Alors, lui, ça va me faire chier pour lui parce que c'est là où c'est intéressant. Alors, attends. Une, deux, trois, quatre, cinq.
Donc... C'est là. J'aurais dû commencer par... Je fais n'importe quoi. Ok. Une petite frappe. Excellent. Quasiment la mid-life. Heureusement qu'on a gardé la défense du tour d'avant. Et là, ça commence les embrouilles. Alors, j'ai 5 d'énergie. 1, 2, 3, 4. Ça va. Pour l'instant, ça le fait, mais... ça va pas durer longtemps. Aïe. Je pense que je vais mourir. Malheureusement, je suis obligé. Et le tour d'après. Popo ? Oui, des popos, oui. Oui, oui, non, mais t'inquiète pas. Je savais bien que j'avais une potion, mais ça me fait chier. Point de silo, c'est sympa. Au bout de la dixième attaque, les dégâts sont doublés. Franchement, plus. Ok. Casser l'armure d'ennemi, appliquer de vulnérabilité. Ça c'est bien, ça c'est super bien. On va le prendre, ça c'est sûr. Ça on le prend, c'est sûr. Et ça ira bien. Ouais, mais là j'y vais pas là. Là j'y vais jamais là. Entre lui là, on va pas être idiot non plus, on va faire ça. Ah oui, c'est vrai qu'on gagne deux trucs. D'où les trois tours, gagner un d'énergie, ça devient ridicule. Au début de chaque combat, commencez 3 sur dans votre main. Ça c'est ridicule aussi, je peux pas les jouer. Enfin, ça sert à rien. J'aurais même pas dû prendre le... Enfin bon, après ça va dans ma collection d'artefacts. Bon allez, on va taper lui. Aïe. Et voilà, c'est là où ça devient ridicule ce... Les 3 sur 1, je les utilise pas. À cause de ça, j'aurais peut-être pas dû prendre ça. J'aurais peut-être dû prendre le choix des. Ouais. Bon, ça va. Pour l'instant, il fait pas énormément de dégâts. Plan d'évasion. D'abord, avec sursis. Défense et c'est bon, ça marche. Ok, le tour d'après il meurt. Strap. Voilà, poison un peu ça pour faire. Bon là il me balance des, voilà, des saloperies. Et normalement, voilà. Parfait.
Vous montez d'un niveau, gagnez 12 d'or, ne fonctionne plus quand vous dépensez de l'or dans une boutique. Alors, c'est génial. C'est bien, mais sauf que c'est à la fin, c'est pas à la fin qu'on doit l'avoir sûr. Parce que là, ça me sert à rien. C'est un peu ridicule. Il me reste une boîte télé. Ouais, je vais faire ça, ça et ça. C'est pas du tout poison mon deck, mais c'est pas grave. Oh là 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 là. Bon allez, vas-y. Les envies prennent vie. Allez. Et il est pas mort. Et j'aurais pas cet artefact, il serait mort. Super. Ça va, je prends qu'il y a des dégâts. Je prends 15 dégâts, ça commence à se voir. C'est quoi ça? Empêche la première perte de PV chaque combat. Ah, ça peut être sympa. Alors ça c'est bien, mais là ça sert à rien. Bon, on va prendre le poignard empoisonné parce qu'on commence en fin de partie là. On a 4 cases du boss, 3 cases du boss. On commence à avoir un deck poison. Bon, lui ça annule. Mais pas du tout, quoi. Bon. 242, je peux prendre que ça. Bon, je vais l'acheter, tiens. Ça me sert à rien. Mais... Ah, je perds tout mon or, je vais obtenir une relique. Ah, bah, pourquoi pas, tiens. Ah, j'ai pas lu. Désolé. Pardon. Une ouverture apparaît dans la tombe et un petit masque rouge en sort accompagné d'une note. Prenez aux autres comme je vous ai pris. Voilà, bon, en fait, il disait grosso merdo, on va se reposer. Il disait grosso merdo, oui, vous avez un artefact de bronze. C'est assez cosy. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont ça, c'est génial. Ok. La mise à mort avec sursis. Ah oui, ça sert à rien. Super. Oh, je vais me prendre plein de cul là. Aïe. Bah là aussi je m'en prends plein de cul. Je vais mourir 100 fois là. Ok. Ça va devenir compliqué là. Mais en faisant ça, ça passe. Ouais, ça passe tout juste quoi. Ouais, j'ai un PV. Ridicule.
Ridicule. Voilà, il m'attaque pour 38. C'est-à-dire que j'ai aucune chance de faire quoi que ce soit. C'est dommage. C'est dommage. Aïe. J'aurais dû mieux préparer. Ouais, bah effectivement. Mais si j'avais plus de chance sur les artefacts, parce que ça, nul, ça, pour l'instant, nul. Ça, ouais, bien. Ça, ça composait pas avec tout le reste. Ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est nul. Ça, j'ai pu m'en servir qu'une fois. Ça, j'ai acheté, mais je m'en foutais. Ça, je m'en suis mal servi, malheureusement. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, ça me servait à plus à rien. Ça, j'ai eu trop tard. Ça, c'était cool, mais bon, voilà. Ça, ça servait à rien, mais j'ai acheté histoire de le débloquer. Voilà, bref. Vous êtes mignon avec votre réparation, mais. Voilà. Par contre, j'ai débloqué des trucs. Fléau, ça c'est bien. Ça c'est bien quand tu as un deck poison. Ça aussi c'est cool. Ouais, les trois sont cool en fait. Voilà. Et je débloque le défectueux qui est un personnage que je te déteste. Mais bon. Et on va dire au revoir à YouTube. Des bisous, YouTubeurs. Bisous aux regardeurs de YouTube plutôt.